Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, on est de retour sur une pêche de gravière. Alors, c'est une gravière que je pêche pas très souvent pour différentes raisons. Il y a un peu de monde. Sauf que là, je suis passé et il y avait personne, mais pas un pêcheur. Donc, hop, vite chargé la brouette. Je suis vite venu sur le poste. J'ai tendu mes trois cannes. Donc là, ça fait à peu près 1 heure que ça pêche. À mon avis, ça va pas être facile parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'herbes. Je suis amorcé quelques fois les semaines d'avant. Là, j'ai mis une dizaine de kilos de bouillettes sur 3 ou 4 amorçages en prévision de venir ici si jamais il y avait personne et si jamais la saône n'était pas pêchable. Et ben, en l'occurrence, la saône, elle est pas pêchable du tout. Donc du coup, je me suis rabattu ici. Je voulais aller ailleurs. Je me suis dit, bon, bah, je vais quand même profiter de mon amorçage plutôt que d'aller ailleurs. Donc voilà, donc là je me suis installé entre deux gouttes et puis je vais aller me faire un petit truc à manger et on va attendre patiemment que les poissons rentrent. Enfin j'espère, je croise les doigts vraiment parce qu'en ce moment entre la pluie et le froid qui est retombé, l'eau elle a perdu une dizaine de degrés, c'est vraiment pas facile. Donc là le but ultime c'est de faire au moins un poisson sur le week-end. Donc j'ai 3 jours de nuit pour faire au moins un poisson et là je serais vraiment content. Donc voilà, donc je vous laisse sur ces images, je vous dis bon visionnage et je vous reprends plus tard. Bon, là on a un joli poisson en sac. Donc exceptionnellement, je viens de la mettre en sac et au niveau d'où elle est, il y a 1,50 m d'eau. Donc je vais reposer mes cannes propres. Je prépare tout mon matériel photo et après je m'occupe d'elle tranquillement et au moins je suis occupé que sur elle. J'ai pas de choses qui vont me déranger pendant ma séance photo. Comme je vous ai montré, là j'ai mis le poisson en sac. Donc là, elle est en sécurité, il n'y a pas de branches, il n'y a pas de cailloux, elle risque rien du tout. Gérald arrive dans 1 heure à peu près. Donc là, je vais replacer la canne. Donc là, ce poisson-là, je l'ai pris sur un spinner rig, donc comme d'habitude, en taille 4. Et dessus, j'ai mis une petite pop-up. Donc là, j'utilise les bouillettes Roasted Nuts, donc les Martin SB. Donc là j'ai mis une petite pop-up de 15 orange fluo. Alors pareil, hein, les couleurs fluo, c'est pas vraiment mon habitude première, mais je me suis dit bon, je vais utiliser des pop-up neutres, mais je vais quand même en mettre une avec une fluo, on sait jamais. Bah comme quoi, des fois, ça fonctionne. Donc là, un petit spinner avec une pop-up orange. Bien, elles sont pas trop fluo encore, ça va, c'est pas abusé. Et ensuite, elles existent dans le même diamètre, mais à la couleur des bouillettes.
Donc il n'y a pas une grosse différence, hein. Je sais pas si on voit bien à la caméra. Pas une grosse différence, mais ça peut suffire. Donc sur les quatre cannes, donc j'en ai une avec, donc comme je vous ai dit, le spinner avec la pop-up orange fluo. J'en ai une autre avec un bonhomme de neige, donc 20, et une pop-up de la même couleur que la bouillette, toujours dans le même parfum. Les quatre cannes sont à la Roasted Nuts. J'ai emmené 5 kilos de billes. J'ai déjà passé quasiment un sac de 2,5 kg. Donc là, c'est tout de l'avant. Donc c'est un parfum qui est hyper sympa, un peu crémeux. Il y a de la tiger dedans, de la noisette. C'est vraiment de la bille sympa. Elles sont pas trop molles, mais pas trop dures non plus. C'est pas des cailloux, hein. Ça s'effrite quand même relativement bien. Voilà. Donc il y a de la graine de Niger dedans. Elles sont vachement complètes. Et je pense que là, pour la saison, c'est un mix végétal. On est pas mal. Donc bon, le seul hic, c'est que les poissons chats les aiment bien. Donc, eh ben on les bâche, hein, ni plus ni moins. Moi, je les bâche à l'avance, comme je vous ai déjà expliqué, pour essayer de perdre un peu l'odeur du plastique. Après, je pense pas que ça joue, mais dans ma tête, ça joue. Donc voilà. Donc et après, les deux autres cannes, il y en a une avec un spinner, mais cette fois-ci, là, j'ai mis une pop-up de 20 mm. Pareil, toujours en Rusted Nuts. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'ils les font plus, les 20 mm. C'est deux pots que j'avais réussi à trouver sur Internet. Il reste quelques reliques, mais pas énorme. Et la seconde, et ben, un bonhomme de la quatrième, un bonhomme de neige avec une pop-up fluo cette fois-ci. Donc, en gros, on a deux spinners avec une pop-up fluo 15 et une 20 couleur de la bille. Et deux cannes en bonhomme de neige. Donc, la seule différence, c'est la couleur des pop-up. Toujours dans le même parfum. Celle qui est partie, donc c'est le spinner en 15 mm. Donc c'est vraiment pas mal. Là, je vais reposer la canne tranquille et puis une fois que la canne est reposée, bah, je vous présente le poisson. Allez, ça y est, le premier poisson. Et quel poisson? Pris il y a 1 heure à peu près, là. C'était 7h30, 8h, quelque chose comme ça. J'étais en train de replacer les cannes et celle-là, elle est partie. Donc c'est un poisson que j'ai vu sauter. J'étais posé dessus. Alors je ne sais pas si c'est elle qui a sauté ou pas, mais en tout cas, on a un sacré poisson. Regardez-moi ce bijou. Grosse commune. Là, il y a une sacrée pavasse. On va essayer d'enlever ça. Ça rendra pas. Magnifique poisson, tout en muscles. Elle a senti l'eau. Elle veut tourner. Regardez-moi ce décor et ce poisson de dingue. Un lingot d'or. Je vais faire encore un coup là. Tu veux me faire forcer en plus, ouais, le vieux. Forcer. Je le vois pas souvent, mais putain, on fait du sport à chaque fois. Ben, j'en ai plein les bras. Ah. Allez, on va la remettre à l'eau. Quel poisson. Oh là 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 là. On s'en lassera jamais de ces poissons. Avec un gros dos là. Allez, ma belle, tu l'as bien mérité. Regardez-moi ce placard. Oh là là là. Yes, ça. Bon ben, on va se faire un petit bilan là, après ce magnifique poisson que je viens de vous présenter. Une belle grosse coco bien dodue là. Elle a vraiment une morphologie comme j'adore. Parce que ici j'ai fait un poisson, j'avais fait une grosse miroir. Je vous remettrai le morceau de vidéo si je le retrouve. Un joli poisson made in public. Là, on a du monde.
Impeccable. Franchement, je suis refait. Je vais pouvoir aller me coucher et manger en paix. Voilà, pour le moment, c'est le seul poisson. Là, on est samedi, début d'après-midi. Là, c'est 13h. On vient de finir de manger. Le bilan, moi, c'est que pour le moment, hein, un poisson. Pas poisson non plus dégueu, hein, on va pas s'en plaindre. Hein, c'est carrément cool. Je suis vraiment content. Je vais reposer là en milieu d'après-midi. Là, j'attends le petit coup du midi. Des fois, ça peut péter. Je reposerai mes cannes en milieu d'après-midi. Je pense sur les coups de 15h30, 16h. Je reposerai les cannes bien proprement comme il faut. Je laisserai pêcher jusqu'à demain matin. Parce que demain matin, je vais partir en tout début de matinée, là, vers 8-9h. Je vais reposer les cannes et puis tout ce que je me sers plus, je vais ramener à la voiture cet après-midi. Comme ça, demain matin, j'ai le reste à ramener, ça va plus vite. Et je suis super content parce qu'en plus, j'ai mon petit garçon qui a passé avec ma femme pour que je lui montre le poisson. Donc là, c'était vraiment un vrai moment de partage. J'ai vraiment kiffé. Ça a été filmé, mais je garde les images pour moi parce que je veux pas mettre mes enfants et ma femme sur les réseaux. Hein, c'est pas leur place. Faut faire la différence entre les réseaux sociaux, la vie privée, la vie de famille, tout ça. Faut pas tout mélanger parce qu'après ça devient n'importe quoi. Il y a tellement de gens mal intentionnés sur les réseaux et déjà on essaie de partager un petit peu, mais au bout d'un moment le partage on atteint vite les limites parce qu'il y a des gens qui ont toujours pas compris. Alors oui, certes, on s'expose sur les réseaux, donc involontairement on le cherche aussi, mais c'est pas notre but. Le but c'est pas de dire aux gens bah venez pêcher comme ça, comme ça, comme ça. C'est juste du partage, c'est juste on part du principe que si vous étiez à côté de nous au bord de l'eau, on partagerait de la même manière, mais le problème, c'est qu'il y a tellement de gens qui utilisent les vidéos à très mauvais escient et qui n'ont pas forcément de personnalité, qui vont faire exactement la même chose. Donc c'est un petit peu dommage, un petit peu triste, donc c'est pour ça que je vous montre pas tout, je vous montre pas le lac, je montre pas la rivière, les secteurs où je pêche, je vous montre bien moins de choses qu'avant. Et c'est malheureux parce qu'on pourrait faire des vidéos tellement mieux et tellement plus sympas. Mais malheureusement, à cause du toujours, c'est toujours pareil, hein, c'est à cause d'une minorité que ben on se fait taper sur les doigts derrière et on est mal vu parce que on est un peu fermé, on partage de moins en moins. Mais voilà, c'est le mauvais côté, c'est le côté sombre des réseaux sociaux. Alors heureusement que c'est pas toujours comme ça et que tout le monde n'est pas pareil, hein, mais il y a des gens qui ont toujours pas compris et qui ne comprendront jamais forcément. Mais bon, moi, je passe un super moment avec mon GG, là, mon petit qui est passé avec ma femme, il a pu voir sa première carpe, et pas des moindres, hein, parce qu'il faisait vraiment rikiki à côté. Donc c'était vraiment cool de voir de l'émerveillement comme ça dans les yeux de son petit. C'était vraiment la découverte, quoi. Et bah, j'aimerais bien garder cette vision-là de la pêche, en fait, et pas tomber dans le côté obscur. Donc on s'efforce de tenir, de faire attention à ce qu'on fait, à ce qu'on dit. Et il y a des fois, je vous jure, qu'on a envoyé bouler et d'envoyer chier tout le monde. Hein. Ça, c'est clair et net. Quand je dis tout le monde, c'est je parle pas des amis proches, hein, bien sûr. Mais il y a des fois où je vous jure que ça démange de dire vraiment le fond de notre pensée. Bon, je suis un petit peu quand même... Enfin, je pèse pas trop mes mots, mais sur les réseaux, on peut pas dire non plus tout ce qu'on veut comme on le voudrait, hein, parce que par respect, ça se fait pas. Même si les gens sont pas forcément respectueux, c'est ce que je dis souvent à mes enfants. C'est pas parce que les autres le font qu'il faut le faire. Bah, certains devraient en prendre exemple, hein, et des fois, l'éducation est un peu à reprendre. Mais bon, ça, c'est ma vision des choses. Même si d'autres le pensent, je parle pas pour les autres. Hein, je parle vraiment pour moi. C'est mon ressenti. À force de voir pas mal de trucs et d'entendre surtout pas mal de trucs, voilà, c'est comme ça. Donc voilà, donc on va quand même profiter, on va faire un petit kiff, on va bien manger, on va rigoler, on va fêter nos retrouvailles, même si on va pas pêcher beaucoup de temps ensemble. Des fois, c'est aussi qualitatif que de pêcher une semaine complète. Moi, on profite vraiment de l'instant présent et je pense que c'est l'essentiel dans la pêche. Donc voilà le petit topo de milieu de session. Hein, j'espère refaire au moins un poisson. Et puis surtout que Gérald en fasse un aussi. Hein, on puisse partager encore un vrai bon moment d'amitié, de partage, comme je peux en partager avec Vincent, avec David et d'autres avec qui j'ai pêché aussi. Mais là, c'est vraiment mes amis proches, comme Bastien, tout ça. C'est vraiment des amis très proches avec qui je partage vraiment et sans filtre.
sans me dire ouais ils vont venir dessus, je vais me faire craber ou ils vont mal le prendre si on pêche au même endroit ou quoi. Il n'y a vraiment pas de ça entre nous et ça c'est une vraie amitié. J'ai de la chance et qu'on est, vous êtes une communauté qui est hyper sympa, qui est hyper cool, vous êtes plein d'encouragement et ça, bah, je vous remercie encore une fois, hein. Je pourrais vous remercier à chaque vidéo, je pense, parce que c'est grâce à vous que tout ça arrive, hein, forcément. Donc je tenais aussi vraiment à vous remercier les gens qui sont bien intentionnés, bien sûr. Les autres, eh ben, tracez votre route, hein. On va pas se prendre la tête avec vous et puis on va surtout pas perdre de temps et d'énergie avec des gens qui n'en valent pas la peine. Mais j'ai vraiment de la chance, c'est qu'on, bon, on est une petite communauté, on est 1800. J'aimerais bien passer la barre des 2K d'ici peu de temps. Mais voilà, moi j'ai vraiment de la chance, c'est vous êtes une super communauté, vraiment sympa. Et ça, je vous remercierai jamais assez. Donc voilà le petit bilan, le petit moment de partage. Hein, c'est ça aussi le partage, c'est de dire les choses comme on les pense sans avoir peur du jugement des autres. Parce que si on vit par rapport au jugement des autres, ben, on vit pas, hein, autant pas vivre. Et ça, c'est ma philosophie de vie, de me dire que ce que les gens pensent de moi. Alors encore une fois, je parle pas de ma famille et de mes amis proches, hein, parce que forcément c'est important aussi, mais les gens que je connais pas ou que je connais pas trop, peu importe ce qu'ils pensent de moi, ça c'est le dernier de mes problèmes, c'est le dernier de mes soucis. Donc voilà, il faut profiter du moment présent, faut kiffer votre passion à fond et faut pas que le reste vienne vous manger la vie à tout bout de champ. C'est les seuls conseils que je peux vous donner et que j'essaie d'appliquer aussi. C'est pas toujours facile, mais on s'y tient. Donc voilà, donc je vous reprends après. S'il y a un autre poisson à vous présenter, sinon bah, je vous reprendrai pour le clap de fin. Ah, tu vois, Nelson, toi t'es quand même privilégié parce que regarde-moi comme je suis reçu. Il m'a dit je t'ai pris une tartelette à la fraise. Ça, c'est une tartelette à la fraise. Tu vois, lui, il s'est pris une belle tarte au flan, tout Merci à toi aussi. bien comme il faut. Il m'a dit tiens, je t'ai pris un gâteau. On va le manger quand même. Bon bah voilà les amis, on se retrouve donc là on est dimanche matin, là c'est 7h30 et je m'apprête à remballer, là je suis en train de boire mon petit café et ensuite je vais m'attaquer à remballer le matériel là. Ouais, c'est rien passé cette nuit, j'ai fait un carassin, c'est tout. J'ai pas été voir Gérald encore, voir s'il avait fait des poissons ou pas. Je vais aller le voir après là. Donc bon ben un bilan vraiment vraiment positif et vraiment satisfaisant. Un joli poisson, là, une belle commune de 20 plus. Ça je suis vraiment content. En plus j'ai pu partager ça avec mon petit et ça a vraiment pas de prix. On a passé un petit 24 heures avec Captain là où pareil on a kiffé, on a vraiment profité de l'instant présent, on a bien rigolé, on a encore bien mangé, bon, comme d'habitude, hein, ça, c'est des choses qui ne se perdent pas. Et puis voilà, donc une belle session, ce que j'appelle moi une session de qualité, où il y a eu du partage, du vrai partage, des choses marquées, quoi. Et ça fait vraiment plaisir. On a passé une bonne soirée, là, on a posé les téléphones et on s'est dit, on va profiter, alors même si on parle pas beaucoup, ben les bruits de la nature, bon il pleuvait pas mal, mais on a profité de tous ces petits moments. Alors on s'est fait des petits kiffs à se dire, oh, t'imagines à ce moment-là, il manque plus qu'un bip et tout, c'était vraiment. Et on est vraiment sur la même longueur d'onde là-dessus. On ressent à peu près les mêmes choses sur certains trucs et ça c'est cool.
Donc voilà, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas pêché ensemble et non, ça fait vraiment du bien. Donc là, je vais finir mon café tranquillement et puis après, je vais commencer à remballer. Là, faut que je rentre vers les coups de 9h, 9h30. Donc, je vais attendre que tout ça sèche un petit peu et puis commencer à plier tranquille. Je vais me faire payer un café vers l'ancien là-bas et puis voilà. Donc bilan très positif, hein. Un joli poisson, du partage. Bon, on n'a pas eu une météo de ouf avec cette pluie, mais ça va, c'était pas de la grosse pluie, c'était pas le déluge, et puis il y avait quand même des belles accalmies avec du soleil, comme là le soleil est en train de se lever. La nature se réveille en même temps. C'est vraiment plaisant de prendre un café. Il y avait personne sur le lac pendant 3 jours, mis à part moi et Gérald qui est arrivé hier. Sinon, j'ai pas vu un pêcheur. Alors là, je vous dis que ça, c'est le pied. Oh, on se sent pas observé, on se sent pas épié. On fait les choses comme on a envie. On se sent un peu plus libre quand même. Et puis on profite deux fois plus, quoi. Et là, je vous dis que le petit soleil qui tape sur le museau avec un petit café chaud, là. Oh, c'est vraiment cool. Donc voilà les amis, je vous embête pas plus. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, c'est que de la pêche. Allez, bye bye.